Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans MMA Extra Round. Coup de tonnerre après une décision très controversée au Hexagone MMA. Laetitia Blo est venue sur le plateau pour la deuxième fois de la saison. On va appeler ça le Laetitia Show. Ouais, Laetitia, en tout cas, sois la bienvenue. Merci beaucoup. Tu en as gros sur le cœur et on va en parler dans la deuxième partie de cette émission. Un autre qui en a gros sur le cœur, c'est notre chroniqueur préféré, Sébastien Love. C'est parti pour l'actualité. Et tout d'abord, donc, les résultats du week-end, Seb. Oui, alors il y avait un très très bel événement à Troyes, hein, le MMA Event 10 Explosif, qui s'est donc déroulé à guichet fermé. Hein. C'était blindé, beaucoup de monde, mais l'organisateur, donc Danny Coquet, est sorti très frustré de son show, parce que visiblement, il a une petite dent contre la fédération, la FMMAF. Alors je le cite, « Je suis déçu et je dois dire que ma découverte de la promotion du MMA me laisse un goût amer. » Il faut savoir que Danny Coquet organise en pied-point habituellement. Je ne comprends pas comment on peut m'annuler des combats le jour de la pesée alors que le programme est validé en amont. Il était sans doute plus judicieux de le faire à la réception du plateau pour que l'on puisse se retourner. Et pourquoi ils ont été annulés ? 5 combats en fait. Voilà, il y avait un plateau de 10, il n'y en a eu que 5. Et pourquoi ils ont été annulés ? Alors visiblement des problèmes avec certains managers, il y a des combattants qui n'avaient pas le droit de combattre. Là, je n'ai pas les tenants et les aboutissants, mais ça serait uniquement de l'administratif. Alors après, tout le monde est soumis aux mêmes règles ? On est d'accord, mais pour qu'il pousse un coup de gueule comme ça, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est reconnu dans le pied-point, il n'a pas l'habitude d'organiser en MMA, et il est un peu... Donc j'espère qu'il va continuer à organiser en MMA, parce que c'était un très bel événement, malgré le fait qu'il n'y ait que 5 combats, ça a été assez rapide. Mais voilà, première mitigée, en tout cas pour lui, mais pas pour le public, c'est ce qu'on va retenir. Soirée express donc. Ouais. Un autre qui a fait des débuts express dans le monde du MMA, c'est Ragnar Le Breton. Ragnar Le Breton, tout à fait, donc qui perd par soumission une guillotine au premier round. C'était au HFC à Bâle, donc en Suisse, contre Xavier Le Sou. Donc la bonne nouvelle, c'est que maintenant il peut combattre en professionnel. Sauf que c'est mon coup de gueule. C'est mon coup de gueule, j'ai trop de respect pour ce sport pour me taire. Je viens de découvrir une chose. Si tu fais 3 roulades avec un pote dans une cage à l'étranger, hop, tu deviens combattant professionnel. Je ne parle même pas d'un combat, mais d'un sparring. Car il s'agissait bien d'un sparring. Cela a été confirmé par leur coach, le coach des deux protagonistes, dans une émission que j'ai découvert pour la première fois, qui s'appelle King and the G. And the G, je ne sais pas comment on dit. Et je dois avouer que mon admiration fut totale. Les explications données furent aussi limpides qu'une eau boueuse. Tout est son contraire. Cette magnifique prestation est d'ailleurs nominée à la prochaine cérémonie des Césars dans la catégorie meilleure comédie pour « On nous prendrait pas pour des cons ?» Mais revenons à ce combat, enfin à ce sparring, à cet arrangement, à ce shifumi. C'est toi qui as gagné. J'aurais aimé voir Ragnar combattre en amateur et gravir les échelons comme les autres combattants. Il y a un vivier de combattants amateurs de grande qualité en France et cela aurait été tout aussi intéressant. Alors certes, les règles établies en France par la fédération permettent ce genre de choses. Mais où sont les valeurs de notre sport? Quelle crédibilité donne-t-on? Quelle image envoie-t-on? Après tant d'années à se battre, à faire reconnaître et légaliser notre magnifique sport, on nous sort une magouille digne d'un film de troisième partie de soirée sur W9. J'ai trop de respect et d'admiration pour les combattants, les coachs, les arbitres, les organisateurs et tous les acteurs du MMA pour ne pas en parler. Ragnar a le courage de monter dans une cage. Il a fait une grosse préparation. Son coach nous dit qu'il s'est entraîné 2 fois par jour, 5 jours par semaine. Toute cette prépa pour un sparring. Alors après tout ce teasing, pourquoi pas un vrai combat? Entre un sparring et un combat, il y a une sacrée différence. Alors oui, la règle permet de brûler les étapes en passant par l'étranger, ok, mais pas pour faire un sparring. Il faut un vrai combat. Où est le respect des règles? Truquer mettrait en péril Arès. Ça n'a pas de sens, dit Xit leur coach. Bah excusez-moi, mais là, ça ressemble fortement au combat arrangé. Alors pour nous convaincre du contraire, va falloir... va rien falloir du tout, c'est trop tard. Il fallait préserver celui qui va remplir le Dôme de Paris grâce à son nom. Je comprends, c'est du business. Ragnar, c'est vendeur. C'est sûr que si tu mets Stéphane Bern à la place, t'as pas la même vente de billets. Mais dans ce cas-là, assumez-le. Dites-le avant le combat. Enfin, avant le sparring plutôt. Bon, les gars, il y a moyen de le faire à l'envers à la Fédé. Un sparring chez les Suisses et tu passes pro. Du coup, on te met sur la carte du prochain Arès. On remplit la salle avec ton blaze et on s'en met plein les poches et on part bouffer du homard aux Maldives pendant 10 jours. Là, au moins, c'est clair, c'est net et précis. Et ça évite d'essayer de se justifier après et de partir dans un concert de flûte pour tenter d'expliquer l'inexplicable. Arès est une formidable organisation qui propose des galas de très grande qualité. S'il vous plaît, ne gâchez pas tout. Sinon, il y a un truc qui marche parfaitement bien. C'est juste de respecter le MMA et les règles de la fédération, même s'il y a des choses à revoir, et de faire en sorte que notre sport avance et grandisse. Voilà,
C'était mon coup de gueule. Bon, Seb, je ne t'ai jamais vu dans cet état. Ça m'a rendu dingue. Alors quand même, excuse-moi, je vais quand même prendre... je ne vais pas prendre position, mais je vais nuancer un peu le propos. Ragnar est un homme de 32 ans qui est déjà accompli dans sa vie. Il n'est pas le premier, il n'est pas le dernier à contourner le système. Depuis que le monde est monde, les hommes contournent le système. Et franchement, que le premier qui n'a jamais voulu optimiser une situation pour son propre intérêt lui jette la première pierre. Néanmoins, c'est un homme qui se pose la question de comment il peut vivre une belle expérience, vivre un vrai combat avec le show qui va avec, etc. Donc on peut comprendre aussi qu'il ne se laisse pas séduire par l'amateurisme, parce que ce n'est pas du tout la même ambiance, c'est pas le même show. Et puis surtout, l'amateurisme ne paye pas. On peut imaginer qu'à 32 ans, on réfléchit en termes d'investissement et qu'on n'a pas envie d'aller deux fois à l'entraînement tous les jours, sacrifier les autres projets qui comptent pour soi, pour simplement aller faire un combat amateur peut-être. Je pense que ça l'excite un peu moins. Donc je voudrais prendre sa défense par rapport à ça. Mais attention, j'en veux pas, Ragnar. Ouais. Ragnar, c'est un bon mec. Ouais, qu'on soit clair là-dessus. Voilà, j'ai eu l'occasion de converser quelques fois avec lui, c'est un bon gars. C'est à l'entourage que j'en veux. C'est à l'entourage parce que là, sous couvert de protéger Ragnar parce qu'on estime qu'il a le niveau pour combattre, on va le protéger pour pas qu'il s'abîme en Suisse, mais vous allez le mettre contre un mec qui fait du pied-point à l'ARES, mais il y a plus... Excusez-moi, on fait pas du curling, c'est de la boxe. C'est dangereux. Ça. Alors, ils ont pris un accélérateur de carrière, clairement. Peut-on parler de carrière? A-t-il des ambitions, même? A-t-il même l'ambition d'aller faire l'UFC? Il veut juste faire un kiff, rentrer dans la cage et vivre ça dans sa vie, j'imagine. Je n'en sais rien, je ne connais pas les ambitions. Moi non plus. Je pense que son entourage en a d'autres pour lui, mais en tout cas, je ne vois rien de méchant dans le fait de trouver des solutions à un projet pour mettre ça en place. En revanche... Ce qui est questionnable, c'est l'aspect éthique. L'aspect éthique, et puis le fait qu'on prenne aussi les gens pour des imbéciles, et c'est pour ça que les gens sont remontés, c'est à cause de ça. C'est pour ça que je vais énerver, en fait. Bah, non, mais c'est un cocktail Molotov, c'est à un moment donné... J'ai un peu d'hypnose. Donc voilà, la combine est publique, et on peut se poser la question de savoir jusqu'où peut aller la combine dans ce cas-là. C'est-à-dire que demain, toi, tu vas te lancer dans le MMA, tu prends un pote, tu l'emmènes en Suisse, tu dis, tiens, s'il te plaît, je veux lancer ma carrière, viens, on s'arrange ça. Il n'est pas le premier. Hein. D'autres combattants qui datent, on ne citera pas les noms, ont déjà fait ça. On a retrouvé du verre sur leur palmarès alors qu'on n'avait jamais entendu parler du combat. Des magouilles, ça existe, malheureusement. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, on en est comme là, aujourd'hui, avec les Instagrammeurs, ou parce que t'es bankable, en fait, à enlever les valeurs de gens qui s'entraînent, mais vraiment, vraiment très, très dur depuis des années et qui veulent peut-être aller faire du MMA, à d'un jour, parce que le mec, il est bankable, enfin, parce qu'il a des followers, etc., on va le projeter en disant, non, mais toi, tu vas me rapporter plus d'argent. Et lui, par contre, il a fait des médailles à droite, à gauche. Ben non, on va prendre lui, parce que lui, il est meilleur. Donc, aujourd'hui, on en est un peu dans ce côté-là où on y va, en fait. Et ça commence à être dur de se dire, mais ouais, où est-ce qu'on défend nos valeurs du sport? Puisque si tu es une star de télé et que jamais tu as fait de sport et que tu arrives et que tu veux faire quelque chose, on enlève tous ceux qui se sont entraînés durement depuis des années avec des sports différents, qui arrivent, qui veulent vraiment découdre au MMA. On lui dit, ben non, mais toi, en fait, tes followers, t'en as pas assez ou t'es pas assez médiatisé, donc on va mettre l'autre. C'est dur, c'est violent aussi. Voilà, je ne veux pas me faire l'avocat du diable. Non, non, mais je l'entends. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas un profil classique, Ragnar, en fait. Oui, on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'est pas classique d'avoir un parcours classique. Oui, il est arrivé au MMA, non pas par la voie classique, c'est parce qu'il est ce qu'il est à la base. Et c'est pour ça, c'est parce qu'il est ce qu'il est qu'il réussit à faire du MMA aujourd'hui. Donc, ils vont exploiter l'aspect business pour générer de la billetterie. Malheureusement, ça se fait au détriment de sa réputation, parce que je suis désolée. C'est vraiment quelqu'un de bien. Mais oui, c'est quelqu'un. Mais du coup, ils n'ont pas pensé à sa réputation en faisant ça. Moi, le business de prendre un Instagrammeur, ça ne me dérange pas. OK, prends-le. Mais faites un vrai combat. Parce que les gens qui ont été au HFC, et j'en connais, pour aller voir le combat de Ragnar et qui n'ont pas pu le voir parce que c'était à huis clos, et après, non, mais le combat ne devait pas se faire. J'ai bossé plus de 10 ans avec le HFC, je sais comment ça se passe. Je les connais. Donc les gens, le manque de respect pour le public, on nous annonce Ragnar, on le voit à la pesée contre un gars, machin, ben non, tu ne le verras pas. Tu ne le verras pas parce que voilà, allez, on se fait un petit câlin, tac, c'est toi qui as gagné. Mais faites-lui faire un vrai combat, Ragnar, c'est juste ça. Moi, après, lui, je n'en veux pas du tout, Ragnar, puis on ne se connaît pas assez pour que... C'est juste son entourage. Ça me dérange parce que là, pour le coup, ça met une image détestable dans le MMA. C'est-à-dire que, oh, bah maintenant, qu'est-ce que je vais... Excusez-moi, je suis trivial, mais qu'est-ce que je vais m'emmerder à faire 6 combats amateurs en me passer pro, alors que, je descends chez les Helvètes, je m'arrange avec un pote, je reviens, c'est bon, allez, je combats en pro. Moi, je pense à tous ceux qui charbonnent. Moi, tous les week-ends, je speak des mecs amateurs. Je suis admiratif de ces gars-là parce qu'ils, voilà,
c'est du sport. Il gravit ses échelons un à un. Et c'est ça que je trouve beau. Ça, c'est notre sport. Voilà. Je raterai là-dessus. Allez, les autres news de manière très expéditive, oui. Parce qu'on a un autre coup de gueule là, oui. Dont il faut qu'on parle. Donc, on a le Bellator qui va revenir avec une très belle affiche, donc Fedor versus Badr, et on a aussi Joël Kouadja qui vient de signer pour le 25 février. Et je suis super content, Joël Kouadja, je le connais depuis un petit moment, de la Hatch Academy. Alors Joël, il avait commencé un début de carrière très compliqué parce qu'il avait commencé avec une victoire pour 7 défaites. Et puis après, à force de travail, notamment avec tout le boulot que fait Hatch et ses entraîneurs, il a enchaîné 6 victoires de suite. Il n'y a pas beaucoup de Français qui voulaient le prendre. Joël. Après, là, il reste sur une défaite, c'était au Cage Warrior en mai 2022, si je ne me trompe pas. Et là, il a signé un one-shot pour le moment au Bellator. En cas de victoire, il signerait éventuellement un multi-deal. Donc, j'ai hâte de le voir, Joël, parce que il a de la foudre dans les poings. Et donc, Fedor Badr, le retour, deuxième opus. Ben ouais, Fedor, alors qui est considéré comme par un grand nombre d'ailleurs, comme le meilleur poids lourd qu'on ait jamais eu dans le MMA, qui rencontre Ryan Bader, c'est le champion du Bellator. Ryan Bader était également à l'UFC. Fedor, c'est 46 ans quand même. Voilà, je suis un petit peu sur la retenue. Je ne sais pas à quoi attendre de ce combat. Est-ce que ça va être une grosse guerre ou ça va être un truc un peu pénible contre la cage, machin, voilà, ça va aller au bout des 3 rounds et puis terminer. Bon, dans tous les cas, pour les passionnés, c'est un grand. Ah ben c'est génial de voir Fedor, c'est mythique. Ouais. Fedor, moi rien que pour ça déjà, je serais devant la télé. Et donc en France, le retour du MMA GP et de Cédric Doumbé face à lui, un Polonais. Un Polonais, Pavel Klimas, que personne connaît, et moi non plus, non, je ne connaissais pas. En tout cas, je sais qu'il a un background de striking en Pologne, je crois qu'il a été champion de Pologne en K1, à confirmer, parce que je vous avouerai que je ne connaissais pas du tout ce combattant. Par contre, il a quand même en MMA 4 victoires, dont 3 avant la limite, et une défaite. Donc le MMA GP pose ses valises au Zénith de Paris, le 4 mars, donc ça va être énorme, bien évidemment, une très grosse carte. Et puis Doumbé à Paris, donc faudra être là. Doumbé qui génère de la billetterie, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça au moins il a le mérite d'en générer. D'ailleurs, c'est une configuration à 5000 places et on attend déjà pas mal de monde, d'après ce que j'ai cru entendre, parce que les places partent très vite, prenez la vôtre. Laetitia, tu es sur ce plateau pour la deuxième fois, tu as un gros coup de gueule, tu es notre invitée Spotlight. On va recontextualiser les faits. Lors du dernier Hexagone MMA, tu défendais ta ceinture face à Ernesta Karekaichi. Tu quittes cette cage sur une défaite, décision partagée. En gros, une décision partagée, ça veut dire tout simplement que ça peut aller dans un sens comme dans l'autre, mais les arbitres ont décidé d'aller dans le sens de ton adversaire et de lui donner la victoire. On jette un petit coup d'œil au score final. 3-2 pour elle, 4-1 pour elle et un autre qui te donne à toi 5-0. Donc on a des scores qui n'ont aucun sens. Oui. Aujourd'hui, à J+6, là, comment tu te sens ? Alors, moi déjà, je ne vous cache pas que c'est très dur. Très, très dur pour moi parce qu'aujourd'hui, à 39 ans, j'estime avoir... Enfin, me faire voler comme ça ma ceinture après avoir montré, et pour la peine, une agressivité et tout ce qui en était pour le combat. J'en ai revu une partie. Moi, je ne vous cache pas que je pleure, je suis colère, j'ai envie de taper dans les murs. Parce qu'aujourd'hui, je me suis fait voler ma victoire. Pas parce que. Parce qu'aujourd'hui, on a donné une ceinture à quelqu'un qui défendait et qui faisait de la boxe. Aujourd'hui, moi, je fais le MMA pour tous ses compartiments et tout son ensemble. Et j'ai montré en plus avec beaucoup de volonté et que même mes overhands, alors ce n'est pas de la boxe en effet, c'est pas ce que vous voulez avec du shadow et tout ce qui s'en suit. J'ai voulu en découdre et j'ai montré clairement que dans tous les rounds, même, bon, j'ai perdu le troisième, mais j'y suis allée avec vraiment de volonté de garder cette ceinture. Aujourd'hui, elle est là, elle est en France, elle doit montrer plus qu'elle n'a montré. Pour moi, elle a fait du shadow et je vous le dis clairement parce que j'étais limite trop à l'aise et je m'en suis rendu compte parce que j'aurais dû rentrer beaucoup plus. Mais j'ai tenté, j'ai passé des gardes, j'ai fait du contrôle cage. Je me vois, j'ai vu les passages où en fait je me vois perdre ce contrôle cage parce que je donne des coups de coude, je donne des choses, je fais une clé de cheville, je passe une garde. Mais une garde, Charles vous l'expliquera très bien, il y a quelqu'un qui se défend en bas. Et ici en bas, en fait, au moment où je dois m'installer pour frapper, et je ne peux pas taper et faire n'importe quoi et perdre une position. Ou sinon, ce que je fais, c'est que je reste sur le dos, je fais la tortue. Et aujourd'hui, en fait, je colle. Et en fait, on va donner plus de points à quelqu'un qui donne des baffes que quelqu'un qui passe un passage de garde et qui est là pour frapper et aller en découdre. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui sont mauvaises. L'arbitrage est mauvais puisqu'on me demande de faire de la boxe et du muay thai.
et plus du MMA. Et moi, j'ai pas signé pour ça. Aujourd'hui, j'ai pas signé pour que, au prochain combat, on me dise j'ai pas fait de boxe et du Muay Thai. Donc, si je fais pas une soumission où je termine pas par TKO, je perdrai. Parce qu'en fait, on veut quoi? De la boxe, du shadow. Mais quelle phase de la boxe, admettons? Mais aujourd'hui, j'ai presque une partie où il y a la moitié des gens qui m'ont dit qu'elle avait fait du shadow, parce que moi, je m'en suis rendu compte. J'étais vraiment easy dans mon combat. Je me suis dit, tranquille, viens, meuf, je t'attends parce que j'ai une gauche qui t'attend. Et je le vois dans son regard qu'elle est paumée, et qu'on le voit dans le 5 qu'à un moment donné, elle tourne autour de la cage. En plus, j'ai le centre. Je montre. Enfin, qu'est-ce que vous voulez de plus, en fait? Elle a montré quoi, en plus? Elle a montré quoi, les gars? Qu'est-ce qu'elle a montré pendant les 5 rounds? On devait avoir justement un arbitre de la FMMAF. Malheureusement, à la dernière minute, ils n'ont pas pu venir. J'en ai contacté 4. 4 arbitres, quand même. 4 arbitres. Voilà. J'en ai contacté 5, par contre. Il y en a lui, il était 5, il voulait venir. Malheureusement, il a pris le train parce qu'il est arbitre sur un autre gala. Mais sinon, je suis remonté comme toi contre la FMMAF qui n'est pas capable de nous envoyer une personne pour justement qu'on nous explique. Parce que moi, le premier... je voudrais qu'on m'explique. Parce que moi, quand je regarde les combats, j'ai l'œil d'un speaker, je ne suis pas arbitre. Et comme ça change toujours, et là, je vois qu'il y a une telle différence entre quelqu'un qui te donne gagnant à 5-0, un qui te donne perdant à 4-1, comment c'est possible? Expliquez-nous, parce que j'ai été honnête avec toi, je te voyais perdant. Il y a un problème de formation à la base. Charles-Henri est avec nous, ton head coach. Charles-Henri va vous expliquer le vrai règlement, en fait. Alors, Charles-Henri, toi, tu as aussi ce résultat en travers de la gorge. Tu voulais nous en parler un petit peu. Tu es très mécontent de ce qui se passe. Alors, moi, je suis mécontent, évidemment. En tant que coach de Laetitia, on n'est jamais content quand son athlète y perd. Ça, c'est le premier point. Mais ensuite, je suis vraiment... C'est au-delà du fait d'être mécontent, je suis dans l'incompréhension totale parce qu'on nous donne un règlement, une notation, on va dire ça comme ça, qu'on est censé, nous, en tant qu'entraîneur et les combattants aussi, connaître. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose si on ne connaît pas ce dont on parle et ce qu'on fait. Donc, on doit connaître le règlement. Dommage cumulable, dommage immédiat, phase de préhension à considérer de la même manière que les phases de percussion. Et il y a plein de subtilités dans le règlement qui... aujourd'hui est soi-disant trop flou, trop vague, on n'arrive pas vraiment à interpréter pour que les gens se cachent derrière ça et nous pondent des fois des argumentations qui sont complètement bancales. Je vais m'expliquer. Le combat de Laetitia est sur 5 rounds, d'accord ? On demande en premier critère de notation d'évaluer la percussion et l'appréhension de manière égale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un takedown vaut un coup, par exemple? Pardon? Qu'est-ce que ça veut dire dans ton langage? Ça veut dire qu'un takedown égale un coup? Ben, je vais vous l'expliquer très simplement. Non, un takedown tout seul, je vais même aller plus loin, il ne vaut rien. D'accord? Moi, je suis grappleur et je vous le dis. Aujourd'hui, tel qu'il est fait le règlement, un takedown tout seul t'amène au sol et derrière, tu ne fais rien, tu bloques, c'est zéro. Et là, j'en veux pour preuve que si tu ne fais rien, l'arbitre, il fait quoi? Vous le savez, il vous relève. Donc, c'est bien qu'il y a un problème. Et c'est normal, puisque tu ne fais rien. Maintenant, tu fais un takedown. Tu lui effectues ton travail de passage de garde, qui est un travail de recherche de position dominante. Tu arrives en 100 kilos. Position dominante. C'est assimilable à un dommage cumulable. Disons-le comme ça. D'accord ? C'est pas un dommage immédiat. Tu es en 100 kilos, tu n'es pas en dommage immédiat. Le dommage immédiat, ça va être les coups que tu vas être capable de mettre. D'accord ? La position montée, la prise de dos, dommage cumulable. Donc, ça montre une domination. Mais ce n'est pas quelque chose qui, en définitive, peut vraiment finir le combat. Mais c'est à considérer. Les coups sont des dommages immédiats. Les vrais coups durs, qui impactent, qui font mal. D'accord ? Et qu'on voit clairement faire mal. Donc, le travail de sol n'est pas apprécié comme il devrait. On commence... où on fait semblant de ne pas comprendre le travail de sol. On fait semblant de ne pas comprendre à quel point il est difficile d'amener au sol, passer la garde, stabiliser, réussir des angles de frappe, éventuellement, grâce à ces angles de frappe, faire commettre des erreurs à son opposant pour aller faire une finalisation ou prendre une position encore plus dommageable et aller vers le TKO. Alors, quand vous avez un adversaire comme Laetitia, pardon ? Pour éviter une confusion des arbitres, il aurait fallu, dans ce cas, qu'au lieu de passer la garde, il aurait fallu qu'elle frappe plus au sol. C'est ça qu'il aurait fallu, du coup. En fait, c'est le point principal, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on nous fait comprendre que t'es grappleur, on s'en fout que tu passes la garde. Ce qui est une aberration. Parce que passer la garde est un vrai travail.
On s'en fout que tu domines la phase de sol à proprement parler sur le sol. On s'en fout. Ce qu'on veut, c'est que peu importe ton comportement et ce que tu fais, tu mettes des coups. Mais comme vient de le dire Laetitia, c'est une hérésie. Comment vous voulez qu'elle contrôle quelqu'un, qu'elle frappe, donc qu'elle relâche la pression et la mise de pression qu'elle met pour frapper et montrer aux arbitres et aux juges qu'elle frappe, au juge, pardon, pas à l'arbitre, et qu'elle risque de perdre la position. Parce que c'est pervers, ça veut dire que si elle commence à faire ça et qu'elle perd la position, on va lui dire « ouais, mais t'es pas capable de tenir la position, donc tu perds ». Donc dans tous les sens, en fait, c'est « rouge, je gagne » et « noir, tu perds ». Donc on dit à un grappleur « Coco, c'est bien beau ton grappling, mais si tu veux gagner, il faut une finalisation, un TKO alors, ou un KO ». Alors, ce qu'on va vous dire en face, c'est que justement, le spectacle doit être valorisé et que justement, les impacts sont là pour ça. Donc, je me fais l'avocat du diable hein, pour que tu aies un peu de réponse. Oui, non. Quand je te dis non, c'est pas que c'est pas vrai ou quoi. C'est ça, effectivement. Ouais. Mais en disant ça, encore une fois, on reste superficiel. Mmh. Et je t'en veux pour preuve le comportement du public le jour du combat. D'accord ? On est toujours en train, et c'est très paternaliste de notre part, j'ai l'impression que c'est très franco-français, parce que des officiels étrangers nous ont contactés et nous ont dit qu'ils ne comprenaient pas la décision. Et des juges et des officiels étrangers ont regardé le combat en direct et étaient persuadés que Laetitia gagnait ce combat. D'accord ? Donc, il y a un moment donné où il faut qu'on se remette, nous, en question. Donc, comment c'est possible qu'il y ait une telle disparité d'avis entre nous et l'étranger et entre deux juges qui jugent le même combat ? Déjà, ça, c'est un problème. Donc, j'en reviens à cette histoire de public et de spectacle. Les gens qui étaient là ont vu le même combat que vous qui étiez là aussi, et que moi. Alors, comment se fait-il que ces gens qui sont censés ne rien comprendre, parce que si j'entends les gens, c'est qu'on fait ça pour eux, hein, d'accord ? On est très gentils, on fait du spectacle pour eux, d'accord ? Comment se fait-il que ces gens qui sont censés ne rien comprendre, qui déjà ont payé une place pour voir un combat auquel ils ne comprennent rien, c'est déjà super sympa de dire ça, qu'ils arrivent au moment de la décision à dire « mais c'est un scandale que l'autre gagne ». Et qu'ils sont en plus capables de l'argumenter en disant « mais on a bien vu que tu étais plus agressive, on a bien vu que tu cherchais plus à finir qu'elle », alors que les juges eux-mêmes ne sont pas capables de le dire. Alors, Charles Henry, je suis d'accord sur un aspect, notamment la débauche d'énergie liée au takedown. Pour moi, ça te demande tellement d'énergie que je trouve que ce n'est clairement pas valorisé à sa juste valeur. On est bien d'accord là-dessus. Oui, mais néanmoins, ce que diront tes détracteurs, c'est que nous sommes au MMA et non pas au grappling, et que par conséquent, ce qu'ils veulent, c'est des impacts, favoriser mais le spectacle. Mais j'ai fait des impacts, Lucie. C'est ça, en fait, que les gens... Non, mais en fait, qu'à un moment donné, on s'en correct. Elle pisse le sang. En fait, elle a fait du shadow. Lucie, elle a fait du shadow. Si vraiment j'avais été en danger, j'aurais vacillé sur ses coups. Je ne serais pas rentrée. Mon jeu aurait été différent. Mon jeu aurait été différent, complètement différent. J'y ne serais pas allée. Là, elle fait du shadow, clairement. Elle bouge. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eh les gars, je me dis, putain, là, tranquille. Le truc, c'est qu'à un moment donné, mes impacts, là, de mon... Alors oui, c'est pas du shadow. Je suis pas en train de bouger, faire... Excusez-moi, là, elle sait qu'elle va se prendre ma gauche parce que le overhand, il passe non-stop. Je me suis même octroyé un droit-gauche. Je me suis dit, waouh, tranquille. Et en plus, tous les contrôles cage, j'en mets des coups. Donc, à un moment donné, qu'on me dise pas, non, mais elle a mis des coups. Non, il les a comptés, Charles. Il y en a 6. Et là, si on revoit les images où finalement, on va voir que c'est elle qui, tu vois, mais là, les coups, je perds mes positions parce que j'en donne des coups, en fait, justement, puisqu'il faut perdre, il faut donner des coups. Mais je prends des risques dans les cages de perdre la position. Au 5e round, elle est accrochée pendant 1 minute à la cage. Ça, on ne prend pas en compte. Je la fais tomber, take down, je commence à frapper, round fini. Donc, même le 5e, je le gagne alors qu'elle tourne autour de la cage et qu'elle a fait du shadow. Donc qu'est-ce que je fais moi? En fait, j'arrête le MMA les gars. J'arrête le MMA, ça sert à rien que je continue le MMA. Ça sert à rien parce qu'en fait, on me demande demandé de faire de la boxe et du Muay Thai. Mais je me souviens à une époque où on valorisait plus le sol. Ouais, voilà, on va dire que la roue tourne. Non, mais il faudrait une demi-mesure parce qu'on le voit, tu vois, on le voit, j'y vais. On y va, mais pas de souci, je vais retourner. Là ce qu'on voit, c'est le match 3. Alors, il reste 5 minutes pour passer le message juste pour vous donner la notion de timing. En fait, à une époque, les lutteurs, les sports de préhension, en tout cas, étaient beaucoup plus valorisés. Il suffisait que tu amènes une fois au sol et ton round, il était pratiquement gagné. Aujourd'hui, on a une tendance qui est extrêmement à l'inverse. Donc, les strikers sont contents. On avait Daniel Voirin sur ce même plateau qui disait « moi, je suis bien content, ça va tout changer ». Forcément, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une demi-mesure? Ça, je suis complètement d'accord. Excusez-moi, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Je veux revenir sur cette notion de takedown. Comme j'ai dit au tout début, je suis d'accord.
Un takedown tout seul ne vaut rien. J'insiste, je ne le dis pas pour faire plaisir aux gens, des strikers ou quoi. Un takedown tout seul ne vaut rien, c'est juste un changement de dimension, il n'y a pas de problème. Moi, ce qui me pose un problème, c'est qu'on n'est pas capable de considérer le takedown et après, le travail qui est mis en place pour aller plus avant dans la domination. Ce que Laetitia a fait. Si Laetitia était restée juste sur son takedown et qu'elle avait bloqué, évidemment, j'aurais été le premier à lui dire « mais tu ne fais rien ». D'accord ? On fait ce comme... n'est pas le cas. Ouais, comme on ce n'est plupart. Pas ce qu'elle a fait. Alors, elle a passé dedans. La garde, elle a essayé de taper. Mais il faut concevoir une chose, c'est qu'en face, il y a quelqu'un qui se défend. Et ce quelqu'un qui se défend, même s'il est dominé, il se défend. Dès lors que tu te défends, c'est difficile de mettre en place les choses. Et des juges qui sont censés avoir de l'expérience ne peuvent pas faire semblant de ne pas le comprendre. Et comment, donc, comment il faut faire la différence entre quelqu'un... À cet écart de jugement... De passer d'un 5-0 pour moi, Laetitia à Sébastien, un 4-1 pour Ernesta. Sébastien, ouais. Cet écart de jugement, je l'ai dit avec humour. Hein, je l'ai dit avec humour. Pour moi, le juge que je comprends le plus, on ne va pas les nommer, c'est celui que vous connaissez, qui a mis 3-2. C'est le Louis Porra, on peut le dire, hein, pas de problème. Oui, ouais. Celui-là, oui, parce qu'il en a parlé tout. Je le reconnais. Lui, pourtant, je ne suis pas d'accord avec lui. Hein, je le comprends plus. Par contre, celui qui me met 4-1 pour Ernesta. Mais même pas. Ouais, oui. Celui qui me met 4-1 pour Ernesta, je ne le comprends pas. Il a vu le round de 2, il a vu le round 4, il a vu le round 5. Comment il arrive, en connaissant les critères d'évaluation de notation sur le round 2, à passer des dommages cumulables au-dessus de dommages immédiats, pour être un peu technique? Comment il fait ça? Une tentative de clé de talon, c'est un dommage immédiat. Round gagné, point barre, fin de la discussion. Et quand tu as posé, parce que tu as posé réclamation, et ça, il te l'explique ou pas? Non. Alors, je t'explique. Pour ça, pour finir là-dessus, ça, c'est un scandale. D'accord? Ça veut dire que demain, je tue quelqu'un. Demain, on m'accuse d'avoir tué quelqu'un, pardon. Je dis que c'est pas moi, je suis condamné. Je peux aller en cassation, cour européenne, et faire des recours. D'accord ? Ouais. Aujourd'hui, les juges de l'AFMAF décident que Laetitia a perdu. Je fais réclamation. La réponse, c'est ferme-la, frérot. Un juge, il dit, t'acceptes et tu te tais. Comment on peut accepter ça ? J'ai fait un mail, je pourrais vous l'envoyer en copie, un parpaing. Argumenté, round par round quasiment, avec tout ce que j'ai dit, les termes techniques pour que ce soit bien clair et qu'on parle le même langage, pour leur faire comprendre que ce qu'ils avaient fait là était au-delà de l'audible. Alors, aucune réponse. Je leur ai envoyé le combat. Aucune réponse. Et aujourd'hui, j'étais content d'être là parce que je voulais qu'ils soient là justement pour qu'on parle et qu'on échange avec les gens. Nous aussi, on aurait aimé. Alors, concrètement, aujourd'hui, on en est où? J'imagine que pour un club comme le vôtre, qui a une signature très forte, notamment au niveau du grappling, des sports de préhension, pour vous, c'est un coup dur. Vous le vivez comme une injustice, j'imagine aussi, à plus grande échelle, au-delà du cas de Laetitia? Non, mais moi, je le vis. Oui, et c'est pour ça que je vous dis, je voulais que l'AFMAF soit là. Je voulais que des représentants de l'AFMAF soient là pour qu'ils nous expliquent à tous, pas à moi et Laetitia, hein, ou à vous sur le plateau, mais à tous. Et que si, il faut qu'ils soient honnêtes et clairs, qu'ils nous disent clairement, bon voilà les gars, le grapp, on en a plein les... Excusez-moi, vous avez compris. Donc maintenant, tu veux gagner un combat, tu mets un KO, tu mets un TKO, tu soumets. Alors... Si tu passes la garde, on s'en fout. Si tu prends une position montée, on s'en fout. Le dos, on s'en fout, ça compte zéro. Qu'ils nous le disent clairement. Mais ce sera en désaccord avec le règlement qu'ils ont mis en place. Alors pour le coup, je pense que le message est très clair. Là, on a eu un exemple avec ton combat que clairement maintenant les règles ont évolué et qu'on va devoir faire avec. On n'a pas le choix que de s'adapter, non, j'imagine. Non. Aujourd'hui, tu en es où, Laetitia? Tu veux continuer? Tu veux t'arrêter? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Mais en fait, qu'est-ce que vous pensez en fait? Je vais aller combattre avec la peur de me dire que allez, faut que je monte. Et que je sais que si je soumets pas et que je ne mets pas de TKO, ben, on va me faire perdre parce que j'ai pas la boxe. Donc en fait, faut que je fasse de la boxe. Et MMA, c'est Mixed Martial Art, hein. C'est pas Mixed Martial Box. À ce moment-là, je vais m'inscrire au cours Florent, je vais faire de la comédie et après faire de l'intox de boxe, comme elle a fait, parce qu'il fallait faire juste comme ça. J'aime bien que tu vois, tu vois, ouais, parce que j'ai un peu de bachata. Cette boxe-là, mais vous voyez, en fait, on en est là, quoi. Non, mais en fait, faut penser qu'on a tous les compartiments, on bosse dur pour tous les compartiments. J'ai pas signé au MMA pour faire de la boxe. À ce moment-là, je m'inscris pas au MMA, on m'a pas vendu ça, et je vais à la boxe et je fais que de la boxe. Là, je pars en stage en Guyane avec un ami à moi qui est au GIG et qui prof de boxe, parce que je vais faire un peu, voilà, quitte à me dire, on va me dire de faire de la boxe. Mais en fait, ça me gonfle, moi, parce que moi, ce que je fais là, c'est Charles-Henri qui me, tu vois, c'est tout cet ensemble qui me fait bosser. Charles, il est là, et avec Denis, on en est là, on s'entraîne, on est là, et c'est quoi, c'est que faut faire de la boxe et du Muay Thai, c'est ça, les gars. Et je vais dire à tous les grappleurs, aux judokas et aux lutteurs, les gars, laissez tomber votre discipline, hein. Faites de la boxe, hein, parce que c'est la boxe qu'on va arbitrer aujourd'hui. À oublier, les gars.
Laetitia, donc du coup, on ne sait pas où tu en es là. Non. Non. Je sais pas, là pour l'instant il faut du recul et c'est dur. Non, mais je combats le 3 juin. Normalement, oui. Le 3 juin. Mais en fait, en attendant, je vais prendre du temps. Prendre le temps de vivre. Parce qu'en fait, je suis une acharnée et je veux montrer aux gens que. Ouais, on me dit, tu vas revenir plus forte. Mais j'étais déjà forte, les gars. Là, dans cette cage, j'étais déjà forte. Et on a fait en sorte d'être forte parce que me taper des 4 fois sparring, 5 fois 10 à être là. Non, j'étais déjà forte. Donc là, ce coup dur, en fait, c'est on m'a écrasé. Enfin, on m'a dit, on m'a mis une défaite. Sans savoir pourquoi, en fait. Parce que par votre incompétence. Et c'est dur. Parce que je fais quoi, moi? Je remonte sur le tapis des MMA et je fais quoi, en fait? Je travaille quoi? La boxe? Je vais faire que de la boxe, puisque il n'y a que ça qui me manque. Tu peux faire des combats très cool en Suisse. T'as pas besoin. Charles, on va aller en Suisse. Hein, on va faire expatrier en Suisse. Je pense qu'on peut faire de la comédie. Laetitia, en tout cas, personnellement, moi, je te vois pas t'arrêter là-dessus. Bien au contraire, je pense que tu vas vouloir rétablir une certaine justice. Oui. Mais comment voulez-vous que je le fasse? Dans quel état d'esprit je vais être? Je pense que tu seras revanchard et que tu vas mettre tout le monde d'accord. Je vais partir un an. Alors là, je vais faire un mois en Thaïlande et puis 3 semaines en boxe. Charles, vas-y, va faire une spécialité boxe. On va faire que de la boxe. Si tu veux, je pars dans quelques semaines. Club, hein. On y va ensemble. On va ouvrir un club de boxe. D'autres événements à suivre, à suivre dans le MMA français. Merci Charles-Henri pour ta présence. Charles. Donc le mois de février va être très chargé. Regardez, ce week-end déjà à Tarbes, qui va être le centre de toutes les attentions avec le Fight Park Championship, avec le retour de Kevin Ruard en main event, Thomas Glo, Mathieu Morciano et bien d'autres champions en herbe. On a aussi le AEF Championship à Rennes également ce week-end. Et il y aura d'ailleurs le petit frère d'Abdoul, Abdouragimov, qui combattra. Après le Lazy King, place au Lazy Prince. Ce sera l'occasion donc d'y rencontrer quelques VIP comme Saladin Parnasse ou Benoît Saint-Denis. Le 17 février également, Arès sera de retour, ainsi que la Supreme League de Hatch. Le 18 février, Benoît Saint-Denis fait son retour dans la cage de l'UFC face à Joe Solecki. Et enfin, le 25 février, le Bellator de Dublin. Rendez-vous immanquable du MMA européen. Voilà. Parce que tu y combats, Lucie. Oui, calme down. Un tout petit, il y a l'Octofight League le 17 mars en Polynésie française. Ah, ça c'est super, ça on est super content. C'est la première édition, il y aura Annabelle Merrier-Lemoine, il y a Flore Annie qui est américaine, et Martin Kos et d'autres. Donc vraiment l'Octo Fighting League, c'est la première édition le 17 mars en Polynésie française. Et si vous avez besoin de commentateurs, nous la Polynésie, on dit pas non. Retour à Tahiti après Koh-Lanta. Allez, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Laetitia, tu reviens quand tu veux. Le Laetitia Show, c'est pour toi, il n'y a pas de souci. On te souhaite un bon retour. Merci de nous avoir permis d'avoir au moins. Même pour moi, ça. Normal. Voilà, je clôt quelque chose pour dire voilà, écoutez, c'est pas je suis une rageuse ou quoi, c'est juste que je veux que les prochains qui sont. Les gens qui vont être dans le même cas que moi soient jugés à leur juste valeur. J'ai perdu, très bien, je vais l'encaisser et je vais me relever. Mais par contre, je veux que les prochains qui sont, eux, des grappleurs, des judo, peu importe, soient jugés à leur vraie valeur et qu'on arrête cette disparité entre un 5-0 et 1-4, qu'ils fassent des formations d'arbitrage ou quelque chose qui fasse qu'on unifie les scores. Quoi. Le message est passé, Laetitia. Merci beaucoup et on se retrouve très vite pour une prochaine échéance, bien sûr. Allez, bye bye, bonne soirée.